Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Notre thème de ce matin, c'est « Dans les rangs des orants ». Dans les rangs des orants. Nous l'avons choisi parce que dans l'évangile de ce jour, le Seigneur Jésus nous apprend comment prier, comment être orant. Un orant, c'est un homme de prière, celui qui prie, un orant. Jésus, en nous apprenant le Notre Père, nous invite à devenir des orants, des hommes qui prient. Dans la première lecture, Siracide résume le ministère d'Élie et d'Élisée, qui étaient des hommes de prière. Aussi avons-nous trouvé judicieux de parler de ces trois hommes de prière que sont Élie, Élisée et Jésus. D'où notre thème, dans les rangs des orants, par lequel nous disons à tous et à chacun, pour être lumière, il faut avoir une vraie vie de prière. Dites à votre voisin, pour être lumière, il faut avoir une vraie vie de prière. Pour briller, il faut prier. Pour briller, il faut prier. Il y en a qui ont compris que pour briller, il faut féticher. Il faut aller chercher des fétiches. Mais nous sommes des chrétiens. Tu es dans tel et tel domaine. Si tu veux briller dans ce domaine-là, prie. Ah, je suis chrétien, je ne vois pas la main de Dieu. Mais dans ton domaine, si tu étais un homme de prière, tu brillerais. Si tu savais prier, tu allais briller. Élie, Élisée, Jésus ont brillé parce qu'ils savaient prier. Parce qu'ils étaient des hommes de prière, ils ont été des lumières. Pour être une vraie lumière, il ne faut pas faire des prières. Je sais pas ce que j'ai dit. Il faut avoir une vie de prière. Parce que faire des prières et avoir une vie de prière sont deux choses différentes. Alors je vous présente les trois orants, les trois hommes de prière que les lectures du jour nous donnent comme modèle à suivre. Premier personnage ou premier homme de prière, premier orant, parce que nous aussi nous devons entrer dans les rangs des orants. On doit nous mettre dans le canon des hommes de prière. Orant, c'est-à-dire un homme qui prie. Ça vient du latin orare, qui signifie prier. Un orant. Pour entrer dans les rangs des orants, méditons un peu sur la vie de ces trois hommes. Élie les Tishbites, c'est le premier. La première lecture, parce qu'on achève avec la lecture d'aujourd'hui, le cycle d'Élie. Nous avons commencé à étudier, à parler d'Élie. Et maintenant, nous terminons le cycle d'Élie. Hier, nous avons terminé. Élie est monté aux cieux. Et aujourd'hui, on prend Siracide, qui fait un commentaire sur Élie. On dit, voilà, un Siracide conclut un peu la vie d'Élie. Qu'est-ce qu'a été la vie de cet homme? Il résume sa vie en disant ceci. Alors le prophète Élie se leva comme un feu. Sa parole brûlait comme une torche. Il fit aussi trois fois descendre le feu. Donc c'était comme un feu. Il se leva comme un feu. Sa parole brûlait comme une torche. Il fit aussi trois fois descendre le feu. Donc dans la vie d'Élie, on voit le feu, le feu, le feu. Un prophète de feu. Le Dieu d'Élie fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme ardente. Hébreux 1, 7. Quel bel éloge pour cet homme. Il s'éleva comme un feu. Il s'éleva comme un feu. Sa parole brûlait comme une torche. Il fit aussi trois fois descendre le feu dans sa vie. Dites à votre voisin qu'il y ait du feu dans votre vie. En effet, Dieu étant le feu dévorant, ses enfants que nous sommes doivent être aussi de feu. Donc, il faut bien vivre, être toujours un feu ardent, pour qu'au jour de votre mort, on puisse dire, il s'est éteint. L'abbé Blaise s'est éteint. Parce qu'il était un feu. Feu abbé Blaise. Parce que c'était un feu. Il peut s'éteindre. Mais si toute ta vie, tu as vécu comme tu vis là, comment est-ce qu'on dira de toi qu'il s'est éteint parce que tu n'as jamais été un feu? Il faut être un feu pour que nous puissions dire de toi, au jour de ta mort, que tu t'es éteint. Pour que nous puissions t'appeler feu. Feu tel. Le feu a plusieurs caractéristiques. Il est insaisissable. Il se répand facilement. Il consume et calcine. Mais ce matin, une expression française peut nous aider à méditer sur cette image.
et appliquée au prophète Élie. C'est l'expression être tout feu, tout flamme, qui exprime l'enthousiasme ressenti dans une situation ou pour une occupation. Il est tout feu, tout flamme. Alors chacun ne peut se poser la question, est-ce que moi je suis tout feu, tout flamme pour Jésus? Parce qu'Élie était comme un feu. Je suis tout feu, tout flamme pour la prière. Est-ce que je suis enthousiaste pour la prière? Je me lève pour aller à la prière en chantant. Je suis content ou je suis contraint? Des textes bibliques vont dans le même sens. Jérémie 29 dit, je me disais, je ne penserai plus à lui, je ne parlerai plus en son nom. Mais c'était en mon cœur comme un feu dévorant, enfermé dans mes os. Je m'épuisais à le contenir, mais je n'ai pas pu. C'est ça le problème que moi je pose toujours aux chrétiens. Ah, on demande aux chrétiens, allez évangéliser, allez parler de Dieu. Mais comment vont-ils aller parler de Dieu s'ils n'ont pas le feu en eux? C'est quand tu as le feu que tu parles. C'est quand tu as le feu que tu t'élèves. C'est quand tu as le feu que tu fais ceci et que tu fais cela. Sans le feu, tu es très limité. Il faut qu'il y ait une force plus forte que toi pour te pousser à faire certaines choses pour Dieu et pour tes frères. Parce que dans la vie, on rencontre tant et tant de déceptions. Et les déceptions nous découragent. Parfois, tu te dis, bon, comme Jérémie, je ne penserai plus à lui. Quand tu prends ces décisions de mort-là, qu'est-ce qui te ramène à de bons sentiments? C'est le feu. Jérémie en fait l'expérience, dit, il m'arrive à voir l'échec que je rencontre dans ma vie, les déceptions que je rencontre dans ma vie. Il m'arrive de prendre des décisions de mort, de dire, je ne penserai plus à Dieu, je ne parlerai plus de Dieu. Mais quand je prends cette décision, le feu qui est en moi me ramène à de bons sentiments. Jérémie 29. Alors Romains 12, 11, ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervent. Dans le mot ferveur, il y a le feu. Soyez fervent d'esprit, servez le Seigneur. Texte très important. Comment tu peux servir le Seigneur si tu n'as plus le feu? Tu ne seras pas fervent. On dit, cet homme, c'est un fervent chrétien. C'est-à-dire, c'est un chrétien qui a le feu. Dans le mot ferveur, il y a fièvre, il y a feu. Il a du feu, il est tout feu, tout flamme. C'est pourquoi je t'invite, ça c'est 2 Timothée 1, 6, je t'invite à raviver le don spirituel que Dieu a déposé en toi par l'imposition des mains. Le don spirituel qui est en nous, il faut le raviver. C'est un feu, c'est le feu qu'on ravive. Donc nous avons un feu qui a tendance à s'éteindre, il faut le raviver. Pourquoi nous venons à la prière? Pourquoi nous écoutons des enseignements? C'est pour raviver le feu que nous avons reçu. Le don que tu as reçu est un feu. Comme quelque part, j'ai rencontré un monsieur que j'ai connu comme un grand chanteur. Et je l'entendais maintenant chanter faux. Il chantait mal. J'ai dit, ah, papa, vous êtes en train de perdre votre don. Hein? Regardez bien votre vie. Vous ne chantiez pas comme ça. Le feu doit être entretenu. Quand vous n'entraînez pas le feu, il va s'éteindre. Ce n'est pas pour rien que le mot zèle est souvent employé pour parler de nouveaux convertis. Il semble que la ferveur, il est très zélé, hein? Cet homme est très zélé. C'est-à-dire qu'il a trop de feu en lui. Et ça, on le dit souvent de nouveaux chrétiens. Vous voyez, par exemple, les âmes qu'on a à l'église ici, elles sont plus engagées. Mais il semble qu'avec le temps, l'enthousiasme disparaît. Ce qu'on appelle l'enthousiasme du début. C'est ce que j'ai dit dans le texte. Il semble bien que la ferveur spirituelle des biens de croyants diminue avec le temps. C'est tout à fait normal. Quand tu allumais un brasero, tu allumais un feu. Avec le temps, le feu tend à s'éteindre. Alors, il faut le raviver. Le chrétien, nous tous ici, nous sommes de feu. Alors, mais la tendance générale, c'est l'extinction. Nous voulons nous éteindre. Alors, il faut être ravivé. Entretenu. Aussi est-il plus facile de trouver des jeunes chrétiens, des jeunes prêtres, des jeunes bergers zélés que des vieux ayant de l'ardeur au service de Dieu. Quand on trouve un vieux ayant de l'ardeur au service de Dieu, c'est étonnant. Normalement, l'homme étant un feu, sa tendance est s'éteindre. Mais quand vous trouvez un vieux zélé, il faut remercier Dieu.
Parce qu'avec le temps, l'homme s'éteint. C'est ça que je vous ai dit, c'est les déceptions, les échecs. Alors l'homme se décourage. Bon, à quoi bon? J'ai fait tout ça, j'ai eu quoi? Et ça, c'est le diable, le travail du diable. Tous les prêtres que vous voyez ici étaient zélés. Quand quelqu'un est ordonné, moi je ne pense pas que quelqu'un peut accepter d'être ordonné pour devenir un mauvais prêtre. Tout le monde, en tout cas c'est le rêve que tous nous avons. Je voudrais devenir un bon prêtre. Je voudrais être un saint prêtre. Mais c'est après un temps que l'homme perd cet idéal-là. Suite aux échecs, suite aux tentations, suite aux épreuves, suite à ses propres faiblesses. Mais le feu doit être entretenu. C'est ainsi que vous voyez les prêtres, nous sommes en retraite, c'est pour entretenir ce feu-là, pour qu'il ne s'éteigne pas. Parce qu'il a tendance à s'éteindre. Le mot grec, traduit par ferveur, contient une notion de température. Il signifie bouillir. Quand il est utilisé en référence à des liquides et rayonnants, quand il est employé en relation avec des solides. Très important. Quand on dit ferveur, c'est-à-dire si tu es liquide, tu dois donc bouillir. Si tu es solide, tu dois briller. Ferveur, il a de la ferveur, c'est-à-dire comme liquide, il bouillit. Comme solide, il brille. Il brille, il rayonne. Je connais ta conduite. Tu n'es ni froid ni chaud. Que n'es-tu l'un ou l'autre? Ainsi, puisque te voilà tiède, ni chaud ni froid, je vais te vomir de ma bouche. Dieu préfère encore un homme froid qui n'aime plus la prière, qui a abandonné la prière, que des hommes qui ont un peu abandonné, qui sont un pied dedans, un pied dehors. Dieu préfère encore que tu dises que je n'aime pas Dieu. Je ne vais pas à la messe. Que de venir à la messe et de ne pas prier. Il faut être chaud. Dieu nous veut chaud. Chaud. C'est ça que Dieu veut. Alors si tu es froid, oui, je m'en fous. Mais si tu es tiède, je vais te vomir. Froid, c'est celui qui a abandonné. Il a renoncé à Dieu. Il est maintenant dans les fétiches. Mais tiède, c'est celui qui vient, qui s'absente, il est tiède. Ni chaud ni froid. Et Dieu dit, je vais te vomir. Et c'est un verbe puissant. Vomir, ça veut dire que je t'avais déjà avalé. Tu étais déjà en moi. Mais je vais fournir des efforts pour t'extirper. C'est très fort. Hein? Donc, quand Dieu dit, je vais te vomir, ça veut dire que tu étais en lui. Maintenant, il va tout faire pour te vomir. Donc, tu étais en Dieu. Et Dieu dit, je vais te vomir. Parce que tu es tiède. Ce sont des passages, des paroles qui doivent nous interpeller. Ah, en Dieu et on me vomit. Même Caïn a refusé ça. Caïn a dit non, papa. Caïn a fait cette prière. Mais il y a des chrétiens qui ne font même pas cette prière de Caïn. Parce que Caïn a dit non, papa, si je vais loin de toi, le premier qui va me voir, il va me tuer. Le premier qui me verra, me tuera. En tout cas, je ne veux pas aller loin de toi. Et on dit, j'ai prêché ici plusieurs fois, là où il est parti, parce que quand même Dieu l'a écouté, Dieu dit non, tu ne vas pas mourir. Comme tu as dit ça, que pécheur, tu as besoin de moi. Que pécheur, tu ne veux pas t'éloigner de moi, même si tu t'appelles Caïn, puisque tu as dit ça. Que loin de moi, le premier qui te verra te tuera. Bon, je mets sur toi un signe. Personne ne te tuera. Personne ne te fera du mal. Et il est allé à l'Orient. Il a eu une femme à l'Orient. Il a eu un enfant à l'Orient. Il a bâti toute une ville. C'est cette prière-là qui a changé sa malédiction en bénédiction. Parce que nous nous rendons compte que Caïn, finalement, a des bénédictions que nous n'avons pas. Il a bâti une ville. Toi, tu as bâti une maison. Il a bâti une ville. Il a eu une femme sortie de nulle part. Parce que toi, tu peux. Hein? Il y a des gens ici qui ont. Il y a beaucoup de filles ici à la paroisse qui n'arrivent pas à se décider, qui n'arrivent pas à choisir. Il y a même des papas qui ont déjà choisi, mais qui continuent encore à choisir. Mais on n'a pas dit que Caïn avait deux femmes. Il a une femme qui a comblé son cœur. Mais Caïn a trouvé une femme qui a comblé son cœur. Et il a eu un enfant. Il a eu un enfant. Élie était comme un feu. C'est pour parler de lui que Jacques note la prière fervente. D'autres textes traduisent la prière foudroyante du juste a une grande efficacité, a une grande force. Élie a fait des prières, mais ses prières étaient ferventes. Parce qu'après ce verset, on parle d'Élie. Élie était un homme comme nous. Il a ordonné qu'il n'y ait pas de pluie. Il n'y a pas eu de pluie. Il a ordonné après qu'il y ait de la pluie. On a eu la pluie.
C'était un homme qui avait des prières ferventes. On a terminé le cycle d'Élie. Et Siracide nous dit, Élie était comme un feu. Alors c'est une interpellation. Parce que quand le feu est là, dit papa, tu te réveilles. Quand le feu est là, tu te réveilles. Tu ne peux pas dormir comme tu dors là. Le feu. Prière fervente. Je ne dis pas que la prière fervente, c'est la prière où tu cries, non. C'est une prière éveillée. Tu sais ce que tu dis. Tu es concentré. Tu sais ce que tu cherches. Comme un feu. Voilà comment était Élie. C'est une interpellation pour nous. Pour tous les feux qui sont ici, qui se sont déjà éteints avant la mort. Dieu vous interpelle, Dieu nous interpelle. Redevenez le feu que vous avez toujours été. Si vous ne l'avez jamais été, redevenez le feu. Il n'y a pas de raison pour que vous puissiez vous éteindre. Dieu ne veut pas de votre extinction. Cette parole, c'est pour vous réanimer, vous raviver. Soyons comme des feux qui ne s'éteindront qu'à la mort. Et là, la mort, c'est pour ressusciter. Vous voyez, quand dans l'église, vous avez des feux, vous êtes content. C'est comme je disais à ma fille, Noëlla, ici. Hein? Le dimanche, quand je partais là, elle était devant ici. Tout pendant tout l'enseignement, elle lisait le texte avec moi. Et je me sentais encouragé. Elle lisait le texte avec moi. À voix basse, mais j'entendais qu'elle lisait. Pendant tout l'enseignement, elle a lu avec moi tous les textes. Le feu, on l'a, le feu, on le donne. Ce jour-là, elle m'a aussi donné le feu. Elle m'a donné le feu. Parce que pendant tout l'enseignement, quand les autres dormaient là, elle, je commence à lire, elle lit avec moi, je sens quelqu'un est en train de lire avec moi. Comme une clé. Par la parole du Seigneur, il ferma le ciel. Il ferma le ciel. Et je méditais ce matin, je dis pas, est-ce que les chrétiens, vous, les passants de la parole, vous avez des raisons de ne pas être le feu? Ah non, non, mais l'église prie pour moi, je vous cite là-bas. Je prie. Mais quelqu'un peut venir ici à l'église, bon, il a amené son cadeau d'anniversaire, mais il ne prie pas pour vous. Et c'est le premier à faire. Moi, je connais des chrétiens ici qui ont connu des situations difficiles. Et j'ai entendu des commentaires d'autres chrétiens sur leur souffrance. Quelque part ici, des hommes de bien, c'est pour eux que tu vas t'aimer. Même si tu ne les connais pas. Hein, même si tu ne les connais pas, tu dois dire, il y a des gens ici qui voient le bien qu'il y a en moi. C'est pour eux que, c'est, ils sont comme ceux qui nous encouragent. Ils sont comme ce matin, je disais, pour Noëlla. Ils sont comme Noëlla là, hein, qui lisent avec nous, qui souffrent avec nous, qui communient avec nous. Il y en a ici. Pas penser qu'ils sont là. Et au nom de ces gens-là que tu ne connais pas, que tu n'as pas bien identifié, persévère. Hein, ne regarde pas tel et tel qui t'ont découragé, mais regarde l'Église. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. C'est-à-dire qu'ici, malgré les païens qu'il y a, les méchants qu'il y a, il y a des gens de bien, des gens qui ont vraiment cru. Des gens qui ont vraiment cru en Jésus, ils existent. Ah, pour Dieu et pour eux, je vais persévérer. Comme une clé. Par la parole du Seigneur, il ferma le ciel. Élie ferma le ciel. Et quand il ordonna, le ciel fut ouvert. Donc, il était comme une clé. Quand tu deviens un homme de prière, quand tu as une forte alliance avec Dieu, non seulement tu es comme un feu, tu deviens aussi comme une clé. Tu fermes, tu ouvres. Écoutez l'éloge de Jacques 5, 17 à 18 sur Élie. Élie était un homme semblable à nous. Il pria instamment. Qu'il n'y eut pas de pluie. Et il n'y eut pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau. Le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Quand tu pries, tu deviens une clé. Tu fermes le ciel, tu ouvres le ciel. Qui ne peut pas être attiré par ça? Que je devienne une clé pour ouvrir et pour fermer. Ça doit nous attirer, mes bien-aimés. Dis à ton voisin, deviens une clé. Deviens une clé. Quand un homme a une alliance avec Dieu et qu'il demeure en prière, le Seigneur fait de lui une clé avec le pouvoir de fermer et d'ouvrir, de lier et de délier. Ceci nous rappelle la promesse que notre Seigneur fit à Pierre. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Quoi que tu lis sur la terre, ça sera tenu dans les cieux pour lier. Et quoi que tu délies sur la terre, ça sera tenu dans les cieux pour délier. Matthieu 16, 19. Mais souvent, nous oublions que ce pouvoir a également été donné à l'Église. Pas seulement à Pierre, mais à l'Église. Matthieu 18, 18 à 20. Là, on dit, de même, je vous dis en vérité, si deux d'entre vous, il dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera tenu au ciel pour lier. Là, il ne parle plus à Pierre, il parle à toute l'Église. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera tenu au ciel pour lier. Alors, il dit, si deux d'entre vous s'unissent sur la terre, pour lier, pour demander quoi que ce soit, c'est-à-dire pour lier ou pour délier, cela leur sera accordé par mon Père qui est aux cieux, que deux ou trois
fait, soient réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Et c'est ainsi qu'en lançant cette trentaine à Saint-Joseph, je veux qu'il y ait deux ou trois qui s'unissent pour demander cette chose-là. Même si les autres ne font pas, mais les deux, les trois qui prieront vraiment. C'est ce pouvoir des clés qui fait de l'homme de prière un faiseur et un tombeur des rois. C'est ainsi que... Il faut craindre des gens qui prient en vérité. Parce que ce sont des faiseurs et des tombeurs des rois. C'est ainsi que la première lecture dit d'Élie, toi qui as mené des rois à la ruine, précipité des hommes glorieux de leur couche, toi qui oignis des rois comme vengeurs des prophètes pour te succéder. Donc, il est à la fois faiseur et tombeur des rois. Parce qu'il a les clés. À en croire Paul, ce pouvoir des chrétiens est mystérieux. Car tenu pour imposteur. Les gens peuvent dire, quoi hein, comme ici, par exemple, nous sommes là avec vous. Le fait que moi je sois votre pasteur. Parce que le fait que je sois votre pasteur. Il y a des gens qui ne sont vivants que parce qu'ils sont sous mon ombre. Qui ne sont ceux qui sont là que parce qu'ils sont sous mon ombre. Avec, non, mais moi je suis sous l'ombre de Dieu, merci. Mais écoute ce texte. Ce texte dit quoi? Nous sommes tenus pour imposteurs. Même Paul, il y a des gens qui le regardaient pour un imposteur, qui le tenaient pour un imposteur. Ah, Paul Muntuchanan, tenu pour imposteur et pourtant véridique. Parce que comme je vous le disais là chaque jour ici, je le répète, vous, est-ce que vous connaissez mes combats? Moi j'ai des combats sur tous les fronts. Je suis quand même Kanda Blaise. Et il y a des gens qui me supportent parce qu'ils me voient. J'en parlais à un diacre ici au diocèse. J'ai dit, tu vois, par exemple, je lui donnais des conseils. J'ai dit, comment il doit vivre? J'ai dit, tu as des talents, tu as du talent, tu peux être ordonné. Mais le problème, c'est que apprends un peu à te cacher. Tu vois, nous ici, si les gens parfois reculent, c'est parce que bon, je suis déjà grand d'ablaise. Si tu te fais un nom, le reste viendra par la suite. Toi, tu ne t'es pas encore fait un nom. Alors je lui dis, voilà, tu vois, il y a des gens parfois, quand je suis là, ils me montrent, ils disent, ça c'est vrai. Mais lui, il dit, donc il sait qu'il y a des gens, quand ils me voient, bonjour mon Seigneur, bonjour que vous plaisez. Mais derrière, les autres. Ce sont mes ennemis. En cas de problème, ils vont révéler leur véritable face. Mais là, donc, le nombre de nos ennemis connus est toujours moindre par rapport aux ennemis inconnus. Des ennemis connus sont moins nombreux. Hein, parce qu'il y a des gens qui donnent l'impression d'être vos amis alors qu'ils sont vos ennemis. Alors ça, les combats. Alors, quand tu as un tel combat, il y a des gens qui vont te prendre pour un imposteur. J'ai vu quelqu'un qui a écrit sur Facebook là, je disais joyeux anniversaire à Kabila ou quoi. À l'époque, c'est Kabila, c'est durant chez moi. Il écrit là, je n'ai jamais vu un prêtre malhonnête comme toi. Il n'a jamais vu. Tenu pour imposteur et pourtant véridique. Tenu pour gens obscurs, nous pourtant si connus. Parce que nous sommes connus de Dieu, nous sommes connus des anges, nous sommes connus des saints. Nous sommes connus par des myriades et des myriades d'anges. Tenus pour gens qui vont mourir et nous voilà vivants. Tenus pour gens qu'on châtie, mais sans les mettre à mort. Tenus pour tristes, nous qui sommes toujours joyeux. Tenus pour pauvres, nous qui faisons tant de riches. Paul dit, quand les gens me voient, ils me tiennent, ils me prennent pour un pauvre, mais c'est moi qui fais les riches. Il ne dit pas, il ne parle pas de Dieu, hein. Il parle de lui-même, il dit, moi je fais les riches. Nous faisons les riches, nous les chrétiens. C'est-à-dire, parce que nous prions, nous bloquons certains malheurs. Des malheurs, un malheur pouvait fondre sur quelqu'un. Et par notre prière de ce matin, ce malheur-là sera éloigné. Et la personne ne saura pas. Ça, c'est l'humilité de Dieu. Il fait beaucoup de choses, il se cache. La même chose, ça t'arrive aussi dans ta vie. Tu es préservé de ceci, tu es préservé de cela. Tu ne dis pas, ah, c'est rien, ça ne fait rien, c'est moi-même. Non! Même les maris. Tu peux avoir une femme et tu ne sais pas que c'est son ombre qui te protège. Les jours où tu te sépares de cette femme, tu vas connaître un véritable calvaire. Tu es encore ce que tu es là parce que ta femme le supporte. Les jours où elle va se fâcher, les jours où elle va commencer à regretter, tu ne seras plus ce que tu es. La même chose de les femmes. Il y a des femmes qui sont belles parce qu'elles sont sous le toit de telle et de telle. Le jour où tu te sépares de lui, tu perds tout. Surtout pour une femme, par exemple. Et tu es là parce que tu es une femme mariée. Imagine-toi, aujourd'hui, tu as le statut de femme libre. Hein? De divorcée. Bon, les gens vont te regarder autrement. Pour des gens qui n'ont rien, nous qui possédons tout. C'est comme aujourd'hui, même les hommes mariés. Les hommes mariés peuvent être contents. Ah non, moi j'ai des filles qui me suivent. Ne suivent pas, ils suivent ton argent.
voyez les filles, il y a comme une... J'ai senti ça. J'ai trouvé des filles qui me disaient, moi, je n'aime pas les garçons. J'aime seulement les hommes mariés là. J'ai dit, pourquoi? Parce que les hommes mariés, d'abord, ils donnent. Et puis, quand ils ne donnent pas, tu le menaces. Il va donner davantage. Ça a l'avantage. Avec les petits ici, tu vas les menacer comment? C'est ça. Donc, il dit, j'ai fait avoir un homme marié. Comme ça, je le menace. Alors, j'ai dit ici, quand tu es un homme de prière, tu es une véritable lumière. Tu deviens une ombre. Tu deviens l'usine qui fabrique les riches. Mais si tu es l'usine qui fabrique les riches, tu es aussi l'usine qui fabrique les pauvres. C'est pourquoi j'ai dit dans la vie, craignez tout homme. Vous pouvez voir quelqu'un comme ça, vous pensez qu'il n'a aucune alliance avec Dieu, alors qu'il a beaucoup de poids aux yeux de Dieu. Sa prière est tellement écoutée par Dieu que lorsqu'il va regretter contre toi, tu rencontreras le malheur. Et c'est ce que je vous dis souvent, je dis ici, même regardez les gens, j'ai dit d'abord, hein, ce qui est difficile, c'est craindre tout homme. Parce que tu ne connais pas son alliance avec Dieu. Ça, c'est ce qui est difficile. Mais ce qui est facile, c'est craindre les gens élevés en dignité. Parce que tu regardes, comme je disais ici aux jeunes, tu vois, le monsieur, c'est le patron d'Orange. C'est le patron de telle entreprise. Il a toi, tu ne sais pas comment il est arrivé là-bas. Tu peux le respecter seulement pour ça. Soit il est arrivé par Dieu, soit il est arrivé par le diable. Si c'est par Dieu, tu es capable de combattre Dieu. Toi, tu es un ami de Dieu. Si c'est par le diable, tu es capable d'affronter le diable. Donc, d'où forcément se réserver. Le plus difficile, c'est respecter tout homme. Celui-ci, il est pauvre, je dois le respecter. Hein? Tu ne sais pas, même malgré sa pauvreté, sous la gangue de sa pauvreté, est cachée une grande alliance avec Dieu. C'est comme Joseph. Il n'est pas encore riche. Tu vas le vendre. Tu vas provoquer Dieu. Il n'est pas encore riche. Tu vas lui créer des problèmes. Tu vas encore pousser Dieu à l'élever davantage. Ça, c'est Joseph. Mais c'est comme aussi des gens qui sont déjà élevés en dignité. David, tu vas le combattre, il est déjà roi, tu le combats. Tu auras des problèmes. Vie heureuse, fin glorieuse et retour mystérieux. Hein? Élie a eu une vie heureuse, l'a bien vécue. Élie termine bien, nous l'avons vu hier. Il est enlevé au ciel. Et on promet, déjà Siracide de reprend la promesse du retour mystérieux d'Élie. Qu'Élie reviendra. Et nous savons qu'il est revenu à travers Jean le Baptiste. Les textes sont donnés là-bas. Nous pouvons lire. Hein? Donc ici, en Siracide, il dit, « Comme tu étais glorieux, Élie, dans tes prodiges. » Il a eu une vie prodigieuse. Il a fait des miracles. « Qui peut dans son orgueil se faire ton égal ? Toi qui as arraché un homme à la mort et au Sheol par la parole du Très-Haut. » Et Élie a ressuscité. « Toi qui fus emporté dans un tourbillon de feu par un char aux chevaux de feu. » Toi qui fus désigné dans les menaces futures pour apaiser la colère avant qu'elle n'éclate, pour ramener le cœur des pères vers les fils et rétablir les tribus de Jacob. Ça nous rappelle Malachie 3, hein? Malachie 4. Bienheureux ceux qui te verront et ceux qui se seront endormis dans l'amour, car nous aussi nous posséderons la vie. Donc on dit Élie qui a bien vécu reviendra. Qui a bien vécu, qui a été enlevé, reviendra. Et nous savons qu'il est revenu en Jean le Baptiste, contrairement à ce que disent les branamistes. J'ai donné les versets là-bas. Amen. Donc, Élie, nous avons dit de lui que c'était un feu, devenant des feux. Élie, c'était une clé. Approfondissons notre alliance avec Dieu de telle sorte que nous devenions des clés qui ouvrent, qui ferment. Qui ferme et qui ouvre. Hein, que tu dises, hein, même dans ta vie, tu dis, voilà, c'est moi-même qui ai fermé la porte de mes bénédictions. Je vais moi-même l'ouvrir. Ah, ça ne marche pas dans ma vie. C'est par ma propre faute. C'est moi qui je suis toujours la clé. J'ai fermé, je vais ouvrir. Parce qu'Élie, c'est lui qui a dit, j'ordonne qu'il n'y ait pas de pluie. Et c'est le même qui a dit, j'ordonne qu'il y ait la pluie. Donc le pouvoir de vie et de mort est dans ta bouche d'orant. Dans ta bouche d'homme et de femme de prière, il y a la vie et la mort. Si tu décides, ta décision se réalisera, s'accomplira. Amen. Ça, c'est Élie. Deuxièmement, Élisée. Deuxième homme de prière. Élisée. Ah, lui était ambitieux. Hein? Il demande à son père spirituel la double portion. Hein? Élisée fut rempli de son esprit, de l'esprit d'Élie. Pendant sa vie, aucun chef ne put l'ébranler. Personne ne put les subjuguer. Il était comme ça. Difficile à maîtriser.
Et c'est ça que chaque chrétien doit mettre dans sa tête. Élisée a demandé à son père la double portion. Pourquoi? Parce qu'il s'est considéré comme un héritier. Ce que je disais hier, j'ai dit, voilà, moi, votre pasteur, je suis sur mon lit de mort. Tu viens. Tu vas me demander quelque chose? Parce que c'est ça. Élie, lui, montait. Mais moi, si je ne monte pas et que je suis sur mon lit de mort, je suis sur le point de mourir. Quand tu viens, je vais te dire quoi? Que chacun de nous se mette à cette place-là. Donc, la Bible est à l'article de la mort. Et je viens le voir. Il a un peu de souffle. Il va dire quoi? C'est ça être un fils. Que au jour de la mort du père, parce que nous n'aurons pas le destin d'Élie être enlevé dans la gloire comme lui. Mais nous, au moins, nous pouvons avoir la grâce d'une bonne mort, qu'avant de mourir, j'ai un peu de souffle. Et que toi, tu viennes me voir. Et je te vois. Je vais dire quoi? Et toi, quand tu vas dire, par exemple, mon père, est-ce que moi, je vais dire amen? Je vais dire, je deviens ton père aujourd'hui. Mais il faut que quand je meurs, quand je te vois, je dis, ah, vraiment, merci. Merci parce que tu as joué un rôle positif dans ma vie. Donne-moi la double part de ton esprit. C'est-à-dire, je suis ton fils. Je suis l'aîné. Je mérite l'héritage. Parce que dans la Bible, on disait, le fils aîné, on lui donne la double part. Si papa donne à chaque enfant une maison, l'aîné doit recevoir deux maisons. Et ça, ma joie. Interpellé en ce temps des faux prophètes, en cette ère des occultistes, l'heure de la double portion des premiers-nés a sonné. Il faut que des signes accompagnent les croyants que nous sommes. Marc 16, 16-18. Il faut que les chrétiens soient trouvés 10 fois supérieurs à tous les magiciens et devins. Daniel 1, 20. Mais ils doivent pour cela accepter de plonger et d'être plongés jusqu'au talon en Dieu. Ils doivent plonger dans la foi, plonger dans la prière, plonger dans le jeûne. Ils doivent plonger dans la sanctification. Alors mes bien-aimés, voilà, Élisée a cherché la double portion. Nous aussi cherchons la plus grande puissance. Pourquoi on doit prier? Ah, je veux briller. Si je veux briller, là où je travaille, il y a des occultistes qui brillent parce qu'ils sont allés dans la Rose-Croix, qui brillent parce qu'ils sont allés dans la franc-maçonnerie, parce qu'ils ont touché au fétiche. Moi, je suis chrétien. Si je veux briller, je dois aussi me plonger. Et se sont plongés dans les fétiches, ils sont plongés dans l'occultisme, que je me plonge aussi dans la prière, que je suive d'abord ce qu'on me dit aussi à la prière. Parce qu'eux suivent ce qu'on leur dit dans leur loge, ce qu'on leur dit dans leur case initiatique. Et moi aussi, on me dit des choses à l'église que je suive. Parce que Dieu, j'ai dit que Dieu est la superpuissance. Mais Dieu est la superpuissance. Mais ces gens me dépassent. Ces gens peuvent me combattre jusqu'à me faire virer du travail. Alors moi, je dois chercher la puissance en Dieu. Un mort qui pèse lourd. Et Élisée était tellement fort que ses ossements, je vous l'ai dit souvent, ont ressuscité un mort. Même mort, il était puissant. C'est ça la vie d'un tout un chrétien. Si tu dois viser, tu dois te dire que même quand je serai mort, je veux être puissant pour mes enfants. Si Élisée, ses ossements ont pu ressusciter un mort, que moi, mort, je sois capable de faire du bien au mien. Que je sois tellement puissant qu'il reste toujours un peu de puissance dans mes ossements. C'est que si tu es tellement puissant, il a été tellement puissant que quand même son corps était mort, pourri, son corps avait pourri, il y avait de la puissance dans ses ossements. C'est profond, c'est pour dire. Il a été tellement puissant que même après la mort, il a été d'un certain secours aux humains. C'est ça que ça veut dire. Les ossements d'Élisée, ressuscitant un mort, c'est-à-dire excès de puissance. Excès de puissance. Excès de puissance. Et Paul parle de l'excès de puissance. Il dit, cet excès de puissance, on le voit en notre vie, pour que les gens se rendent compte que cette puissance, ça ne vient pas de nous, ça vient de Dieu. Excès de puissance. Et ça, bien aimé, on cherche ça. On cherche ça. Si nous avons ces ambitions-là, comme chrétiens, les féticheurs, ils ont comme ambition augmenter leur force vitale, augmenter leur puissance spirituelle. Mais est-ce que les chrétiens ont ça comme ambition? Je voudrais devenir plus puissant spirituellement. Je voudrais qu'un sorcier ne puisse pas m'atteindre. Je voudrais que je sois plus fort que les sorciers. Je voudrais que mon ombre soit assez puissante pour protéger mes enfants. Mes enfants vont aller à l'école. Bientôt, ils vont commencer l'école. Et quand ils iront à l'école, est-ce qu'un sorcier peut s'approcher de mon enfant? Je veux être assez puissant pour que je sois même avec mon enfant à l'école. Je suis au bureau, mais mon ombre protège mon enfant. L'homme qui voit mon enfant me voit. Oh, je veux tenir cet enfant-là, il y a son papa. Et il craint. C'est la puissance spirituelle. Que tu es capable d'être chez toi et d'être aussi avec ton enfant.
Élisée était comme ça. Il pouvait être ici et être avec Géasi. Ça, c'est le désir qu'on doit avoir. Est-ce qu'un sorcier, comme je disais hier, un sorcier acharné qui t'ensorcellerait de manière acharnée, est-ce que tu sortiras vainqueur? Peut-être que tu vis parce que Dieu, hein, sur ton chemin, il n'y a pas encore eu de grands sorciers. Si un grand sorcier s'élève dans ta vie et veut te faire du mal, tu vas partir. Voilà pourquoi nous devons avoir le désir d'augmenter notre puissance spirituelle. La Bible elle-même dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Amen. Quand un vrai homme de Dieu meurt, il ne perd pas. Il gagne, car il demeure désormais auprès du Seigneur. Il devient plus fort qu'avant. La mort met un gain. Philippiens 1:21. Troisième homme de prière à l'école des orants. Mettons-nous à l'école d'Élie, devenons des hommes de prière, des femmes de prière. Mettons-nous à l'école d'Élisée, devenons des hommes et des femmes de prière. J'ai démontré les dividendes à tirer de cette vie de prière. Je l'ai dit au début, pour briller, il faut prier. Pour être une lumière, il faut avoir une vie de prière. Jésus, le Fils de Dieu, vie et prière filiale. Jésus aujourd'hui dit à ses disciples, quand vous priez, notre Père. Oui, au-delà de la formule, au-delà du texte que nous répétons, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, au-delà de ce texte, il y a une vie à mener. Jésus ne veut pas seulement dire que, dites notre Père. Non, Jésus veut que nous puissions comprendre que nous sommes des fils et qu'en tant que tels, nous devons prier autrement. Prions comme des fils. Que l'esprit, comme j'ai prêché le dimanche quand j'ai parti ici de la Pentecôte, je disais, voilà, l'esprit d'adoption, c'est lui qui nous fait crier Abba Père. Donc, quel est le secret de la prière? C'est le comportement filial. C'est l'attitude filiale. C'est la conviction filiale. Je suis fils de Dieu. Je suis fille de Dieu. En ce moment-là, tu pries autrement. Regarde si tu crois que tu es le fils de ton papa. Comment tu vas te comporter vis-à-vis de lui pour lui demander? Tu demandes comment à ton papa? Tu vois comment tu demandes? Parfois, tu sais que papa est parti et qu'on a payé. On a payé les agents Miba. Tu sais qu'il a l'argent. Et quand tu demandes de papa, donne, parce que tu sais qu'il en a. Je vous ai dit que le fils du président ne va pas aller chez le président en disant « J'ai l'honneur de venir auprès de votre haute personnalité solliciter telle chose. » Le fils du président, par exemple, ne demande pas l'argent. Il va à l'école calme. Mon père a déjà payé. Il y a des choses. Le fils du président demande à son père une Ferrari. Papa, je voudrais aussi avoir une Ferrari. Je voudrais avoir ceci. Donc, c'est ça qu'il demande. Alors, nous disons, nous sommes fils du père. Regarde, ton attitude est-elle filiale quand tu demandes à Dieu encore des petites choses de rien du tout? Tu n'as pas. Parce que le fils du président ne demandera pas à son père les frais académiques. Il y a quelqu'un qui est chargé de payer. Alors, si maintenant Dieu te voit priant, dit, Seigneur, pour mes frais académiques, envoie celui qui paye pour moi qu'il le fasse. Tu vois, j'ai une attitude filiale. Oh Seigneur, donne-moi les frais académiques, non. Tu ne te comportes pas comme un fils. Aie un comportement de fils. Je vous ai donné l'exemple. On dit Mobutu, dans ses multiples aventures amoureuses, avait eu un enfant avec une dame. Alors la dame disait à son fils que tu es le fils de Mobutu. La dame est morte. Mais le monsieur l'a resté triment souffrant. Un jour, il prend le courage. Il va voir les gens qui étaient proches de Mobutu. Il leur dit, moi je suis le fils de Mobutu. Et le monsieur regarde, il a des traits de Mobutu. Il l'a ramené Mobutu. Non, je suis votre fils, je suis ma maman, c'est elle. Mobutu a reconnu, c'est vrai. Mais Mobutu n'a rien fait pour lui. Il dit, tu peux partir. Le monsieur est parti. Et il est allé demander à l'autre, à un collaborateur de Mobutu, d'après ce qu'on raconte. Hein, il a dit, le président, je suis allé le voir, il ne m'a rien donné. Tu fais qu'il te donne quoi? Comporte-toi comme son fils. Il t'a reconnu, non? Il t'a reconnu? Oui. Comporte-toi comme son fils. C'est tout ce qu'on te demande. Donc si tu es le fils du président, déjà avec ces messieurs, il a dit, monsieur, vous savez que je suis le fils du président. Dites au directeur de telle société de me prendre au travail. S'il a été reçu par Mobutu, et que Mobutu, comporte-toi en conséquence. C'est ça que, quand on dit, quand vous priez, dites. C'est pas seulement dire, c'est-à-dire que vous ne priez, croyez que vous êtes fils de Dieu. Parce que quand vous dites notre Père, c'est-à-dire que vous êtes ses fils. Croyez et priez ainsi. Ne priez pas comme les esclaves. Si vous êtes chez autrui, il n'y a pas à manger. Vous voyez comment vous allez faire? Vous allez vous contenter, vous taire. Où est-ce que vous allez avec l'assiette? Quand il n'y a plus de condiments. C'est chez vous. Vous pouvez aller à la cuisine. Maman, ajoutez un peu. Tu peux prendre même dans la part de papa, toi-même.
Quand il vient, dit, papa, j'avais pris. Tu peux attendre papa le soir. Les enfants qui n'ont pas bien mangé, qui ne se rassasient jamais là, ils attendent leur papa. Au retour, là, ils sont toujours là. Sauf que papa ne termine jamais. Alors quand il va terminer, on va prendre. C'est ainsi que les papas d'aujourd'hui convertissent vous. Les papas d'aujourd'hui terminent. Un papa responsable ne peut pas terminer son repas. Un papa qui mange comme ça, il termine le repas. Quand tu deviendras papa, laisse toujours quelque chose. C'est la dignité du papa. Veut que maintenant, nous puissions partager avec lui cette filiation, ce comportement. Regardez Jésus devant la tombe de Lazare. Quelle assurance! Je te rends grâce car tu m'as exaucé. Je sais que tu m'exauces toujours. C'est ça que Dieu veut nous communiquer. À l'école des orants, réclamons la double portion de l'esprit qui est sur Élie. De l'esprit qui était sur Jésus. Jésus qui est plus grand qu'Élie. Demandons la double portion. Et si nous demandons la double portion, même notre mort pèsera lourd. C'est-à-dire que quand nous ne serons plus de ce monde, nous continuerons à agir dans ce monde. Je n'ai pas besoin de prier comme un esclave. L'esprit en moi me pousse à crier « Abba, Père ». Cet enseignement, chacun de nous entre donc dans les rangs des orants.